food. Faut que tu boives, ma grande. Faut que tu boives de l'eau. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. On peut reprendre ça. Nous allons regarder ce qu'on a dans l'inventaire. Puis on va déposer ça. Jeter tout. Bienvenue, donc on se lève. On a de l'eau à déposer. Donc on se lève, nous avons des choses à faire aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons sûrement faire un tour dans la forêt. Ah, c'est vrai qu'on avait ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui nous allons faire un tour dans la forêt pour... alors on va appeler ça l'opération. Je vais essayer de donner des titres à nos, opérations. On va voir ce qu'on peut, imaginer. Aujourd'hui... Ça me fait déjà rire, je suis con. Aujourd'hui, nous allons faire opération récupération de flèches. Je pense. Parce qu'on a toujours des flèches qui se baladent. Il nous en reste 10. On est en pleine forme. On est en pleine forme, let's go. Il nous en reste donc 10. On en a perdu au moins 2. Il y en a 2 qui se baladent dans la forêt. Et elles sont plus ou moins attachées à des loups, en théorie. La dernière fois aussi, on a tué ce loup. J'ai revérifié la vidéo, tout ça. Et je pense que ce loup-là... On lui a pas mis une flèche dans la tête. Je suis quasiment sûr. On lui a pas mis une flèche dans la tête. On lui a mis une flèche dans le corps. Parce que la flèche, en fait, est directement tombée. Je crois que c'est le loup qu'on avait déjà attaqué avant. Et il avait plus de vie, du coup. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Par contre, il fait froid. Aïe, 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 aïe. C'est emmerdant. Aussi, je voulais vraiment commencer l'ours. Mais on a encore pas assez de vie. Donc, enfin, je sais pas, on va se balader, on va voir un peu ce qu'on trouve. Donc j'ai dans l'espoir de récupérer ces flèches, mais bon. Hein? On a très peu de chance, hein, je vais être honnête, on a très peu de chance de les récupérer, mais bon. Après, je sais plus trop ce qu'on avait fait. On avait... Est-ce qu'on avait chassé le cerf dans la forêt? Non, je pense pas. Je crois qu'à un moment, on avait... tuer un loup qui a mangé un cerf, qui a attaqué un cerf. Non, on l'a... Non, 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 on l'a attaqué, on l'a pas tué le loup. Ouais, on l'a attaqué pour être sûr. Je suis quasiment sûr. Enfin bref, on va voir. On va se balader vers la... Comment ça s'appelle, la petite cabane. On va peut-être pas aller à la cabane, mais on va aller par là-bas. Pas longtemps par contre, parce que ouais, on a froid. Honnêtement, c'est un peu un temps de merde. Encore une fois, on va être obligé de rester à la maison et faire des choses au chaud. Parce que j'ai vraiment envie de récupérer plus de vie possible. Mais c'est vrai que là, c'est un peu la merde. On récupère un peu du bois. Faudrait voir ces troncs d'arbres. Je crois pas qu'il y ait grand chose dessus. Mais faudrait voir ces troncs d'arbres. Est-ce qu'il y a des corbeaux? Il n'y a peut-être pas de corbeaux à ce, quand il fait ce temps-là. On va s'approcher de la dune, comme ça on sera protégé du vent. Risque d'hypothermie, tiens, super. C'est quoi ça? Des bouts de bois? Des bouts de bois. Pas de corbeaux? Non, pas de corbeaux. Il n'y a peut-être pas de corbeaux. C'est quoi ça? Un cerf, point d'interrogation. Vous croyez que c'est le... On va voir. Bah, de toute façon, c'est facile. Si c'est un cerf qui a été tué par un loup... Putain, par contre, ce vent, quoi. Par un loup, comme ça, pendant qu'on était ailleurs, en fait, bah, il aura plus de viande dessus. Si c'est le même, c'est celui-là qu'on a... qu'on a plus ou moins sauvé. Enfin, on a sauvé la viande. Yes, ok, c'est celui-là, ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une heure. Ah putain, on va perdre énormément. Pas des coups à carcasse qui est gelé à plus de 50%, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore?
Ok. Parce que dans torse. Et on est quasiment gelé, c'est cool. Donc ça s'est super mal passé hein, pour le côté... Hey, on essaye de garder de la vie et tout ça, machin. Ouais, alors ça c'est complètement mort, c'est bien, on a... Ah mon dieu, je déteste ce jeu. Donc, on a récupéré deux boyaux, on avait besoin de boyaux. Et on a récupéré 5 kilos de viande. 5 kilos de viande, c'est bah, 5... Ça se traduit par 5 nuits, honnêtement. Hein. Ça se traduit par 5 nuits. Donc, bah, c'est top. C'est vraiment top. Par contre, on a, ouais, on a perdu énormément de vie. Je pense que le temps qu'on arrive à la maison, on va en même tanguer un peu. Et on va devoir se réchauffer, je sais pas, passer du temps. On va devoir passer du temps. Ce qui est embêtant, c'est qu'on peut plus vraiment trop passer de temps, en fait. On n'a rien à faire à l'intérieur. On n'a rien à faire. Après, on pourrait faire du bois, du feu à l'extérieur. Mais... Mais il y a trop de vent. Enfin, là on était mal placé. Là, de toute façon, le cadavre du cerf était très, très mal placé. Ouais, on va tanguer dans pas longtemps, c'est cool. Mais bon. C'était un peu hardcore, mais on a récupéré, bon, voilà, 5 litres... 5 kilos de viande et les boyaux. Alors, quand c'est gelé, ça marche beaucoup mieux. Je crois que je l'ai déjà répété, mais je le dis juste au cas où. Quand c'est gelé, ça marche vraiment bien avec la scie à métaux. C'est pour ça que la scie à métaux, je la garde de côté à chaque fois. Parce que là, la carcasse était gelée à 100%. Et pour récupérer tout ce qui est viande, avec la scie, ça marchait extrêmement bien. Ah, ça y est. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. En plus, elle est en pleine forme. Je sais même pas ce que je vais faire. Je pourrais courir, en fait. Parce que oui, faut qu'on se fatigue un peu aussi. Et voilà. C'est vrai que oui, j'aurais dû complètement courir. Alors cet épisode, je vais sûrement essayer de le sortir en la même journée que celui d'avant. Alors attendez. Oh, 38% en plus. On a bien fait de récupérer la viande maintenant. Ouais, très bien. Très bien. C'est cool. Voilà, parfait. Si vous avez remarqué, le dernier épisode n'était pas une très très bonne qualité. J'ai eu une mise à jour de... Oh mon dieu, comment on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu une mise à jour de OBS et apparemment OBS m'a remis les options de base pour enregistrer. Et du coup, bah, ça a fait une qualité un peu pourrie. Enfin, pas pourrie, mais bon, peut-être que vous l'avez pas remarqué. Bon, maintenant, vous allez le remarquer, évidemment, parce que je viens de vous le dire. Si vous comparez la qualité de cette vidéo et l'autre. Mais voilà. Ça, c'est... Voilà. Donc, du coup, j'ai envie de rattraper un peu la chose avec un épisode en plus. Et du coup, aussi, parce que j'avais posé des questions la dernière fois, enfin, le dernier épisode... Et ben là du coup, j'ai pas vu les réponses, parce qu'elles n'existent pas encore, les réponses, pour moi. Vous imaginez, je vous parle du passé, et vous êtes dans le futur. C'est pas beau, ça? Oh, comment on a du mal à avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va devoir dormir. Je pense qu'on va devoir dormir une heure ou deux heures. Il nous faut de la viande, il nous faut de la manger. On va devoir dormir. Parce que là, déjà c'est pas possible de jouer comme ça, mais... Bref. Ça m'embête, parce qu'on va devoir prendre ça, quoi. On va peut-être pas tout manger.
On va peut-être pas tout prendre. Mais il faut qu'on reste là. Là, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Ok. Donc là, on a mangé quoi? 400 calories après, à peu près, je pense. Ok, très bien. On va pas dormir 5. On va dormir beaucoup moins, mais... Ah non, il y a un mauvais temps. On était sérieux? Voilà, moi on a récupéré de la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi? Ah! Oui, t'as faim, je sais. Pas extrêmement. Moins 8. Moins 8. Quoi qu'on pourrait... Non, le cerf, il est trop loin. Le cerf, il est trop loin. On va jamais pouvoir... Ah, j'ai gardé la viande sur moi, c'est pas vrai. On va aller là-bas. Donc oui, on est toujours à la recherche des flèches, quoi. Honnêtement, je pense pas qu'on va les trouver, comme j'ai dit, mais... Bon, ça c'est bien, on récupère du bois, c'est pas perdu. Là, on est protégé. Parce que je veux pas perdre de vie, en fait. Enfin, pas plus que ça. On va peut-être devoir manger. On va monter, on va voir ce qu'on a là-haut. C'est quoi ça? C'est un lapin? Oh cool. Bah du coup on va chasser le lapin. Ah, ce vent, quoi. Ce vent me tue. Ah, il est là, non? Wouh! Pas mal. On se rattrape un peu sur la dernière fois. On se rattrape un peu sur la dernière fois par contre. On va manger ça. Ah, très bien. Voilà, nous avons trouvé des choses à faire. Quand on rentre à la maison, on sera rentré. Ça va, il fait pas extrêmement froid, quoi, on est protégé. Je suis en train de regarder les stats énormément par contre là parce que je veux pas, je veux vraiment faire gaffe à ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits lapins qui se baladent? Pas l'impression. Il va commencer à faire nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là-bas, il y a des barbes de Jupiter, on n'a pas vraiment besoin. Le vent s'est estompé. Alors, ce qu'on pourrait faire, vu qu'on a... Ça m'embête, parce que là, en fait... Alors, ce qui va nous... Ce qui se passe, là, le problème, c'est que... On revient, en fait, au fait que du... Le problème, c'est qu'on n'est pas fatigué... Et du coup, on peut pas rester, on peut pas dormir pour récupérer de la vie. Mais on est très bas en vie, donc faut qu'on récupère de la vie. Donc je suis en train de me demander, peut-être qu'on pourrait lire.
Ah, oh, il fait vraiment pas froid, quoi. Il fait vraiment pas froid. Vous savez ce qu'on va faire? On va rentrer. On va poser le lapin. Enfin, on va le dépecer, tout ça, etc., etc. Et on va perdre du temps. On va se réchauffer. Et on va peut-être dormir encore un peu. Genre une heure. Et on va voir. Mais le problème, c'est que les calories, en fait, vont... Ça va baisser. Faudrait dormir maintenant, en fait. Enfin, ouais, mais c'est pas très rentable de faire ça. Bref. On va faire tout à la main. Voilà, très bien. Je sais pas si... Niveau expérience... Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous savez. Ça, faudrait le jeu poser aussi. On va le poser pour l'instant. Et on va mettre le bois là aussi. Et la peau aussi, là. Ça va être le bordel par terre. Je déteste faire ça. Mais bon. Il va falloir manger. Et... on a toujours, ouais. Et du coup, le... Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Ben, je sais plus. Voilà, j'ai complètement oublié. Ah oui, 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 pour l'expérience. Alors, est-ce que... Parce que je sais que... Genre faire cuire, par exemple, si vous faites cuire des petits morceaux de viande, à chaque fois, ça donne de l'expérience et tout ça. C'est mieux de faire ça. Par contre, quand vous dépecez... Est-ce que c'est mieux de dépecer tout d'un coup, genre ce qu'on a fait avec le lapin, ou alors c'est mieux de dépecer un par un? Est-ce que vous récupérez plus d'expérience en faisant un par un? Je crois que la triste vérité, c'est de dépecer un par un est mieux, et plus rentable niveau expérience. Donc voilà, mais si vous êtes sûr, si vous avez déjà fait des tests, ou vu des forums qui en parlent, je veux bien savoir. Je veux bien avoir l'information. Ouais. Il n'y a pas de vent au moins. Par contre, on a une visibilité de merde. Alors, je sais pas si on aura le temps. Je vais voir un peu. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'aller à la carcasse et revenir sans nous geler les fesses. Par contre, on a vraiment une mauvaise visibilité, donc faudra faire gaffe. Ça nous fait une aventure. Ah, louper le petit bout. Je viens de louper le petit bout de bois, c'est pas grave. Tout va bien. Il y en a encore un, je l'ai loupé. Celui-là. Est-ce qu'on va l'avoir? Ouais. Donc ouais, ça m'a un peu embêté que la qualité soit mauvaise de la dernière épisode. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un nouvel épisode. Je sais pas s'il sortira en même temps, mais dans la même journée, quoi. Non, 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 me dis pas que le vent se lève. Est-ce qu'on est au bon endroit? Je crois. Je pense que... Au final, j'ai pris un chemin plus long. Ah, complètement. Je crois que les rails sont beaucoup plus... Beaucoup plus courts. Ah, à la limite, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on pourrait faire, c'est du feu, en fait. À côté de ça.
Et la peau qui m'embête. Vous voyez, elle a quand même une bonne endurance hein, quand... Elle peut faire des grandes distances. Hein. Après, on pourrait encore mieux sprinter si on n'avait pas des peaux en vêtements. Wow. Ah oui, ça c'est le décor que j'aime pas avec ça. Cette neige. Elle est très très épaisse et on voit rien. Bon bah ça va, ça va. Je veux pas dire, mais là on a récupéré toute la viande, on a récupéré les boyaux. On n'a pas récupéré la peau. La peau, on reviendra plus tard. Oh non, me dis pas que tu vas tanguer. J'ai pas envie que tu tangues encore une fois. Je crois que j'en ai marre. Mais bon, c'est une belle prise, c'est une belle prise. Ça nous coûte cher en vie et tout, en temps et machin. Mais bon. On a récupéré 8 kilos de viande en tout. On a encore plein de bois, donc on peut faire manger. Je fais que sprinter, c'est pour vraiment la fatiguer. Hein. Pour qu'on récupère encore de la vie. Parce que sinon, là, elle va tanguer. Là. Avant la porte, elle tangue. On parie ? Ouais. Donc, nous avons notre viande. Qu'on va déposer de ce côté-là. Qu'est-ce que je raconte? Directement dans l'inventaire. J'ai dit l'ascenseur? Je viens de dire l'ascenseur. Est-ce que je suis fou? Je vous ai dit qu'elle allait tanguer. Oui, j'avais raison. J'ai gagné. Vous avez vu? Combien on a de... 280, ça fait quoi? 3 heures? Ouais, ça passe. Par contre, le vent s'est levé. Le vent s'est levé, donc ça va être un problème. Ouais. Ah, elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Man, all I can think about is food. Alors, ce qu'on pourrait faire... Alors on peut pas crafter, c'est la nuit, on a rien à crafter aussi. Oui, un petit moins 27. Un petit moins 27. C'est pas mal. C'est sympathique. Alors je dirais que... Ouais, attendez, faut que je réfléchisse. On a du bois, on a beaucoup de bois, on fait à manger. Elle est en pleine forme. On peut faire, on a plusieurs. Ouais, ok, on va faire ça. C'est parti. On va faire à manger. De toute façon, on peut pas sortir, il fait trop froid. Et elle a pas assez de vie pour qu'on force. L'extérieur en fait. Comme ce qu'on a fait pour récupérer de la vie. De la viande, pardon. Pour récupérer de la viande. On va prendre ça. Et on a tout ça à cuire. Donc on va rentrer, on va faire un feu, on rentre. Et on va faire que cuire. Donc bon, ça, encore une fois, on est un peu bloqué, je suis désolé, mais. On est un peu bloqué. Est-ce que j'ai du bois sur moi? On a ça, on en a en haut, je crois. Ou alors, non, on en a là. Bon, on a déjà fait le feu. Voilà. Alors. 35, 40%. C'est parti.
torche, faire du feu. Donc ouais, je vois que ça à faire honnêtement parce que on peut rien faire dans la nuit. Cool, c'est bien. On peut rien faire dans la nuit. Et les boyaux ils sont pas secs, on peut pas crafter. Donc là il faut juste passer du temps. Et il faut que ça soit utile, il faut que ça soit productif aussi. Par contre, je vois rien. Alors attends. On voit rien du tout dans la cabane. Du temps, on est rien, on cuit rien là. Désolé. Va prendre la nourriture, fous-la sur le feu déjà. Ça sera déjà fait, au moins. Mon dieu. Ok, c'est parti. Une heure. Ah oui, là on a plein de petits bouts de bois. C'est bien qu'on ait récupéré autant de bois. Voilà, au moins 4 heures de feu. Est-ce que à l'extérieur, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, on va tester. On va voir si on peut faire du feu à l'extérieur. Genre le vent il soufflait de ce côté là, je crois. Ok, cool. Peut-être pas alors. Peut-être pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour patienter? Eh ben, rien du tout. C'est un peu le problème. Aiguisé, c'est pas mal. Hein, pour patienter. 7 minutes. Voilà. Voilà, 95%. Très bien. Très bien. Apparemment le vent s'est calmé. Ce qui est bien parce que comme ça on va faire le feu. Encore une fois on va forcer un peu notre montée de niveau. J'ai l'impression de refaire un peu la même chose que la dernière fois. Je suis désolé, c'est pas super fun. Ouais, non, il n'y a pas... Ouais, là, on est bloqué par la vie. On est vraiment bloqué par la vie, encore une fois. Après, on pourrait y aller quand même. Honnêtement, je crois qu'on va le faire. J'en ai un peu marre d'attendre. 40 minutes. J'en ai un peu marre d'attendre. Je crois qu'on va aller combattre l'ours.
Très prochainement. Même voire prochainement en fait. Je pense qu'on va le faire. Et comme ça, on va sprinter du coup parce que là, c'est comme ça, on l'a fait fatiguer. Et ouais, on va se faire l'ours. Ah, ça nous fera une aventure, même si on n'est pas en vie. Déjà, on ira pour repérer un peu le terrain. Je sais qu'il est en contrebas. S'il est en plein sur la... T'es sérieux, on a plus de petits bois. S'il est en plein sur la glace, c'est un problème. Ça va être un gros problème pour le combattre. Donc on va devoir l'attirer vers genre des pierres, des rochers. C'est très très important. C'est très très important de faire ça. Comme ça, quand il fera le tour en fait des roches ou des trucs comme ça, en fait nous ça nous laisse le temps de genre de descendre, je sais pas, une montée ou des trucs comme ça, et ça lui fait perdre du temps. Et avec de la chance, la plupart du temps ils sont effrayés parce que il y a une différence de niveau et tout ça. 10 minutes. Et c'est là en fait qu'on gagne en fait. Petit, et à chaque fois on recommence et on continue à lui tirer des flèches quoi. Et ce qui est bien avec les flèches encore une fois, c'est qu'il va il va saigner quoi. Il va saigner donc petit à petit il va mourir. Alors bien sûr le saignement s'arrête au bout d'un moment, je crois bien. Quand la flèche en fait se tombe de l'animal, parce qu'elle tombe au bout d'un moment. Le saignement s'arrête. Pam pam. Très bien. Alors après, on va d'abord faire le lapin. Parce que le lapin, faut que je le mange. Mange direct. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense que cet épisode risque pas de faire une heure. Là on est quoi, 30 minutes. On va peut-être faire un épisode court. Pour cette fois. Okay. Et le prochain épisode, ça sera l'ours, je pense. Mais j'avais vraiment envie de rattraper un peu le problème que j'avais eu avec la qualité. Ajouter, prendre une torche. Okay, go. On va faire du feu à l'extérieur. Le temps que le lapin soit... Tant que le lapin soit cuit, et après nous allons dormir. Nous allons dormir. J'espère que la journée qui approche là aura vraiment un beau temps. Au moins dégagé. Enfin, honnêtement, c'est pas de vent. Parce que le vent, ça va être une horreur. Si on l'a devant nous, si le vent par exemple se lève et il est devant nous et qu'on est en train de courir... pour fuir l'ours, c'est mort. Quoi. On va se faire défoncer. Ah, voilà, là on a de la bonne viande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on a quasiment plus de... Enfin, on a moins de viande de loup maintenant, c'est bien. Ça, on le prend. Ok. Vraiment bien. Là, on avance bien. Dans un sens, je suis content qu'on ait forcé le coup de la viande. Forcé. Quand je dis forcé à chaque fois... c'est genre volontairement se... On va faire ça. Rester à l'extérieur et perdre de la vie en fait. Pour par exemple récupérer de la viande, une peau ou des trucs comme ça.
Très bien. Donc, je suis assez heureux qu'on ait fait ça au final. Ça marche bien. On va dire qu'on est bien récompensé. Deux boyaux, 8 kilos de viande, c'est, hein, c'est pas rien du tout. Et surtout que le feu, ben, j'ai utilisé une bûche, mais j'en avais vraiment pas besoin, honnêtement. Parce qu'on a plein de petits bouts de bois. Ok, bien. On dirait qu'on fait des feux, genre pour éviter que des bestioles nous attaquent. Genre on fait des feux tout autour de la maison. C'est marrant ça, j'ai jamais pensé le faire. C'est légèrement comique. Ouais, non, c'est marrant. On fait des feux, nous sommes attaqués par des monstres de ténèbres. Donc nous mettons du feu pour illuminer. On va devoir faire des fagotins et la torche va bientôt finir de toute façon. Donc ça serait bien qu'on monte de niveau avec ça. On a récupéré... Le lapin c'était cool. Honnêtement je suis content qu'on soit tombé aussi sur le lapin, ça c'est sympa. On a récupéré boyau et encore une peau. Voilà, faut voir un peu. Elle commence à être un peu fatiguée. Enfin, c'est pas énorme non plus. On va voir combien de temps il nous reste. 11 minutes, parfait. On casse ça. On refait les fagotins. Faut qu'on regarde le feu aussi. Si le feu va s'éteindre ou pas. On a encore deux morceaux de viande à faire. Donc faut au moins qu'il dure encore une heure, je dirais. Enfin, un peu plus d'une heure. Alors on va faire une heure pour le moment. Ok, bien. La cuisine aussi augmente. Comme j'ai dit, c'est très bien que la cuisine augmente. Faut qu'on on va aller regarder nos niveaux aussi. Avant qu'on se quitte. Donc on va voir ça. J'en ai posé deux là, non? J'ai posé celui-là, c'est... je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, non, c'est ça. Ouais, non, c'est cool. Honnêtement, c'est vraiment cool. J'avoue que je suis assez content. Je suis assez content de ça. Alors, est-ce qu'on fait de l'eau? Vu qu'on a fait un feu. Ah, très bien. 40. On va remettre encore un peu dessus. Voilà. Voilà. Alors est-ce qu'on fait... On rajoute du feu pour faire de l'eau en plus. On a de l'eau, hein. Mais bon, comme j'ai dit, vu que là c'est un feu qu'on a... On a dû dépenser une allumette pour le feu. Donc faut bien le rentabiliser, je dirais. Hein, comme d'habitude, on essaye de rentabiliser à mort ce qu'on fait, hein, évidemment. Mais bon. On verra. Donc ouais, je crois que c'est plus ou moins officiel. Prochain épisode, ce sera l'attaque de l'ours. Et je crois que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le coup du... Il y a le coup de toute la viande qu'on va devoir porter. Ah, pff, la vache.
Pour ceux qui n'ont jamais combattu d'ours ou de cerf. Enfin, pour ceux qui n'ont pas récupéré la viande, il va avoir au moins, je sais pas, 50 kilos de viande, un truc comme ça. Ça va être une catastrophe. Non, ouais, c'est pour ça que je voulais de la vie. On va tester. Demain, on ira tester. On ira sur le lac. Enfin, le prochain épisode. On ira sur le lac et on testera si on peut pas faire venir l'ours à nous. Ça aussi, ça pourrait nous aider. Ouais, ça pourrait nous aider. J'ai envie de tester. J'ai envie de faire des tests avec ça. Donc, on va tester ça. Je suis assez impatient, en fait. Je suis assez impatient, même. Alors... Et quand on retournera dans la forêt, il faudra récupérer la peau du cerf. Seize minutes, c'est très bien. Je crois qu'on va aller reallumer les feux. Le temps que ça cuise en fait. Ah, on n'a plus de petits bois. J'en ai plus qu'un. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Ah bah voilà. C'est bien ça. Oh, il fait beau en plus. Ok, est-ce que vous m'avez donné les plumes les gens? Rien du tout. Rien du tout. C'est à combien de pourcentage? 84. 75. Ok. Il faut 2 heures pour faire 4 litres. On peut faire ça aussi. Alors. Ah, il nous faut 2 heures de feu. Hein. Deux heures quatre, 51 minutes. Ok, on est bon. On est bon. Donc on va manger ça, on va tout manger, comme ça j'aurai des calories de côté. Et on va aller donc prochainement. On va aller combattre l'ours. On n'aura pas trop de vie, mais c'est pas grave. On va essayer de l'amener vers chez nous. Ça va être ça notre but en fait. On va un peu aller tâter le terrain. On va essayer de le faire venir. On va voir s'il peut traverser la glace, le lac, pour venir vers notre maison. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour le pour tout ce qui est transport en fait. Ça sera vraiment plus simple. Donc ouais, on va faire ça. J'espère que j'ai pas trop mis de feu, attends. 2 heures, 38 minutes, ça va faire encore une heure. Non, ça devrait pas s'évaporer. J'ai un petit doute, mais on verra ça. De toute façon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on n'est pas vraiment trop de problèmes. Ok, c'est parti. C'est parti pour l'ours. Dormir le plus possible et c'est parti.